Allez, salut à tous les amis, c'est Lantouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect, sur la prison de base sans le mode Star Wars, et je me suis aperçu du fail, mais je crois que je l'ai dit dans la vidéo si je me souviens bien du fail que j'ai fait dans la vidéo de Star Wars justement. Avec le mode, où en fait j'avais carrément pas du tout activé le mode en début de vidéo, et comme un con j'étais là, ouais, bah avec le mode Star Wars et tout, ça m'a pas choqué en fait. Les prisonniers étaient en tenue normale et les gardes pareil, pas de droïdes, pas de Stormtroopers, pas d'effet violet, j'étais là, ouais, tranquille, je continuais. Puis 5 minutes après, je me rends compte qu'en fait il était pas du tout activé le mode. Faut que je pense à le réactiver à chaque fois, parce qu'en fait, si vous voulez, j'alterne entre. Un épisode de Prison Architect normal et un avec le mode Star Wars, ce qui fait que des fois j'oublie de réactiver le mode mais sans m'en rendre compte quand je tourne. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Et là je vois un prisonnier blessé qui va aller se faire soigner direct. Grâce au docteur. Ah, ils ont des têtes. Ils commencent à avoir des têtes de plus en plus différenciées. Yuzuke Ishida. Ah bah c'est un japonais quoi. Ils ont rajouté les japonais. Et ils commencent à faire même les différentes cultures dans Prison Architect, c'est magnifique. Yusuke, je sais pas comment ça se dit après en japonais. Ça fait 5 jours qu'il est dans la prison. Ah, bon, il est plutôt pas très très content, il a 48 années à purger, ouais, c'est sûr. Bon, là, il lui reste un petit peu moins, bien sûr. Mais bon, ça fait quand même beaucoup. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que. Juste avant de tourner, je voulais faire l'astuce de Gaënon pour ceux qui m'ont indiqué ce youtubeur dans les commentaires et qui justement avait réalisé un tutoriel pour augmenter le nombre de prisonniers arrivant quoi, dans votre prison le matin 8h. Sauf que je me suis rendu compte que bah, j'avais 31 prisonniers qui étaient attendus à 8h. Donc je me suis fait 31 prisonniers, on en a 193, mon but c'est de passer les 200. Bon, finalement, j'ai pas besoin de le faire maintenant. Je vais réussir à passer les 200. Enfin, on va réussir. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai pas assez de cellules. Et il faut que bah, j'en construise d'autres. Bon, là, il y a déjà un bâtiment terminé. Ça, c'est une chose. Je vais pouvoir aménager tranquillement les cellules. Je sais plus exactement combien de cellules il y a dans un bâtiment. Enfin, dans un bloc. Ça, c'est un bloc. Je pense qu'il en a. 6, donc 8 sur les côtés, ça fait 16 plus 2, 18. 18 plus 12, ça fait 30 et 2, 32. 32 cellules. Oh bah largement, ça suffit. Il suffit que j'aménage le bloc. Alors lui, c'est le bloc combien? Bloc A, bloc B, bloc C, bloc D. Après, bon, les sous-blocs, on va pas les compter, hein. Bloc E et F. Voilà, et lui ce sera. Ou F lui. Et... Bon, bref, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Je vais direct commencer à les aménager. Pour ça, c'est vrai que j'aurais pu le faire moi-même hors vidéo. Parce que ça bouffe pas mal de temps. Alors, c'est où? Je sais même plus où faut aller. Salle, oui. J'ai l'impression que c'est hyper petit là, niveau. Niveau résolution, enfin je suis en 1080p toujours, mais les icônes sont vraiment très très petites. Alors, qu'est-ce que je cherchais? Oui, de toute façon, je sais que cellule, c'est marqué ici, j'en ai 216. Hein? Oui, bon, c'est pas grave. C'est marqué 214 juste au-dessus, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Donc, pour l'instant, on va aménager les salles d'ailleurs, il faut que je pense à mettre. À installer des caméras de sécurité parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a du brouillard de guerre à mort et il va falloir aussi que j'instaure un petit corps de garde à l'intérieur de ce bloc pour surveiller toute activité illicite sur le site. Je pensais finalement, vu la taille du terrain, je pense nous faire une petite salle d'exécution pour tester, allez, pour qu'il y ait un petit peu de nouveauté. Pour voir ce que ça donne. Alors ici je vais mettre une douche. Douche. On va mettre ça comme ça, voilà. Et puis bah let's go, hein. Ah bah tiens, j'en ai oublié une ici. Je regarde si j'ai bien installé toutes les salles. Tiens, il y a une cellule où l'écriture a bugué, j'ai l'impression. Ici, ouais, y en a où j'ai pas fait. C'est étrange. Ouais.
Cellule buggée. Ah merde, non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Mais oh putain, il avait mal sélectionné. Qu'est-ce qu'il me fait là? Cellule. Ouais, je sais pas, il est buggé celui-là. C'est pas très grave, on s'en fout complètement. Pour l'instant, moi, ce qu'il me faut, c'est installer les lits. Allez, on y va, on installe les lits, on va faire ça rapidos, histoire de passer à autre chose. On va peut-être du coup se focaliser un petit peu sur l'enseignement, encore une fois, vu que je vous rappelle que c'est une des principales nouveautés de l'Alpha 18, si je ne dis pas de bêtises. Ah, vous pouvez me corriger, bien sûr, hein, si j'ai n'importe quoi. Oh. Ah, auto-saving. Je comprenais pas. Va falloir faire la douche aussi. Bon, ça c'est comme d'habitude. Toujours des cuillères. Les cuillères, ça n'a pas cessé, hein. On a commencé la prison, ça ne cessera. Enfin, depuis qu'on a commencé la prison, ça ne cessera jamais. Trafic de cuillères est en pleine effervescence. Je pense aussi rajouter des bibliothèques dans les cellules des prisonniers pour qu'ils puissent se divertir un petit peu hors. Enfin, pendant les temps libres, hein, tout simplement. Dis donc, ils sont pas beaucoup à travailler. Hein. La moitié doit être. Ouais, ils sont en cellule d'isolement. Ils se bastonnent trop. Eh ouais, c'est ça. C'est ça, il se bastonne trop. Du coup, c'est cool parce que demain, à 8 h précises, on va dépasser les 200 prisonniers. Et j'ai justement un contrat qui m'obligeait à avoir 200 prisonniers pour gagner 150 000. Oh yeah. Et je l'ai réalisé à 96%, mais demain, ce sera parfait. On rajoute les chiottes. Allez, je veux faire ça vite. Je veux pas que ça prenne trop de temps. Sinon, on va. Sinon ça va être ça va pas être très intéressant. Oh putain, un tunnel. Alors attendez, ça par contre c'est prioritaire. Attends, depuis que j'ai vu un mec qui s'est oui, alors le type, ce qui est intéressant à voir, hein, le type a creusé sous ses chiottes pour se retrouver sous les chiottes de son voisin. Vous voyez? Bon alors là je vois pas trop, peut-être qu'il avait ils avaient une relation, on ne sait pas, peut-être, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, ça ne servait strictement à rien. Il s'est fait chier à construire un tunnel pour arriver dans la cellule de son pote. Enfin, de son collègue. On va appeler ça comme ça. Donc, j'étais en train de foutre les chiottes, moi. Ça m'a coupé dans mon élan. J'espère que les ouvriers sont pas trop surchargés. Bon, là, pour le coup, ils vont l'être. Vu que. Ouais, je vais leur. On va avoir une. Je les ai mis les chiottes ici? Non, je les ai pas mises. Mise tac. Bon, les chiottes sont partout et maintenant on se fait les portes et ce sera terminé. Oh yeah. Oh, en plus je viens de penser, j'aurais pu utiliser le clone, j'aurais pu attendre qu'une des cellules soit terminée. Et au fait, passe-moi le temps vite là, forcément je suis en merde, je suis en temps j'étais en vitesse 1, forcément que ça mettait 3 plombes. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais faire la douche. Faut que je ramène l'électricité aussi. Oh là là, j'espère que je serai prêt avant que ces prisonniers n'arrivent. Bon, on va directement mettre les drains. On va ramener le courant et l'eau. La flotte. Bon, allez, hop, ça, on fait rapidos. Voilà. Normalement, il y a assez de douches pour tout le monde, hein. Tout en sachant, évidemment, que. Tous les prisonniers ne prêtent pas de douche forcément à la même heure. Voilà. Ok, bah c'est parfait. Et puis on va mettre une drain ici. Voilà. Ok. Niveau électricité, comment on s'en sort? Faut que je fasse gaffe. J'ai eu un petit bug. À pas dépasser mon. Ah bah c'est bon, l'électricité y est déjà en fait. À pas dépasser mon. Mon débit électrique. Ce serait un petit peu. Dommage. Ah, flûte, le grand tuyau ne passe pas. Je vais le faire bifurquer. J'adore ce mot. Je vais le faire bifurquer. Non, ici. Ici, Michel. Bifurquer en ce sens où ça fait un truc un petit peu bizarre quand même. Hein. Il faut l'avouer. Bifurcation, bifurcation. Ouh, j'ai fait un truc symétrique. Ah merde, il y a les chiottes aussi. Ça c'est plus problématique. Résultat, va falloir que j'agrandisse le tuyau. À partir d'ici. Voilà.
Ça me gratte le nez. Ah, attendez 2 secondes, je me mouche. Putain. Ça me gratte le nez. Aïe, je vais attendre qu'il finisse le... On va s'occuper d'autre chose en attendant, allez. Hein. Oh putain. Un garde s'il vous plaît. Déploiement, un garde, je vous prie, un garde. Garde. Vous voyez que maintenant on a la possibilité de... déterminer des patrouilles de gardes armés. D'ailleurs je vais voir si je peux en embaucher plus. Peut-être que c'est proportionnel au nombre de prisonniers dans la prison. Je ne sais pas, patrouille des gardes. Non, c'est pas c'est ça, c'est gardien que je veux mettre. Voilà, on va en mettre un. Histoire qu'il puisse ouvrir les portes aux ouvriers qui restent coincés comme des cons. On va bientôt aussi amener le béton. Et oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais toute la prison est bétonnée. Hein. Et oui. Faudrait que je rajoute des chiens aussi. Bah, au pire, j'agrandirai, j'achèterai encore une parcelle de terrain. Bon. Putain, il y a 5 prisonniers qui se sont cassés. Eh, c'est pas normal, ça, ils sont trop libérés. On va voir niveau balance des prisonniers détenus. 108 prisonniers max et 80 prisonniers normaux. Dont la plupart sont blessés. Étrangement. Bon. Oh, encore un tunnel. Et décidément, dans ce bloc-là, ils sont pas très stables. Hein. Et regardez, ça, ils creusent encore dans leur chiottes, les gars. Quoi, c'est pas propre. C'est toi le mec qui s'est fait repérer. Ouais, non. Si, il dort paisiblement. Oh, c'est mignon, il dort. Il dorme paisiblement. Oh bah tiens, d'ailleurs, il y a des mecs blessés ici. Je devrais peut-être faire une deuxième infirmerie tant que j'y suis. Mais nous, ce qu'on veut faire déjà... Ah, va pas falloir que je fasse le con, par contre. Ce qu'on va faire, c'est une salle d'exécution. J'avais dit que j'en ferais pas. Mais vu que j'ai la technique maintenant pour augmenter le nombre de prisonniers... Enfin, le nombre de prisonniers... L'arrivage, quoi, pour modifier l'arrivage de prisonniers... Je vais m'abuser un petit peu. Donc résultat, c'est où exécution? Il suffit de trouver salle d'exécution. On va la faire juste à côté de la salle de cours, histoire que ce soit bien glauque. Bien glauque comme il faut. Hop. Je sais pas exactement les proportions. Ça devrait suffire. Hein. 10 sur 12, ouais. Tranquille. Normalement tranquille, ça passe. C'est quoi? Salle où vous enlevez vos détenus à la mort. Ah, super la traduction. Ça fait un petit peu peur. Ok, nos 31 détenus vont arriver bientôt. Ça va être les embouts. Putain, non, c'est bon, c'est des briques. La moitié vont être. Vont être laissés sur le bord de la route. Bon, et qu'est-ce qu'ils foutent avec les ambulances? D'ailleurs, ça s'est complètement buggé encore. Hein. Ça a toujours pas été. Oula, pardon. Pas été amélioré. Non, les gardes morts, ils sont pas évacués pour l'instant. Ou alors, petit à petit, mais alors vraiment petit... Non, regardez, l'ambulance se casse. Tu veux que je t'ouvre? Voilà. Je comprends pas. C'est vraiment très étrange. C'est vraiment très très étrange. Bon alors, vous vous ramenez là? Ah d'accord, c'est dans 13 minutes. Je vais empocher mes 150 000. Vas-y, 150 000. Oui. 99 et j'empoche la thune. Shring. 150 000 $. Oh. 285 000 et j'empoche 6 000 par jour, sans compter bien sûr. Ah bah si, en fait j'ai assez de cellules. T'es en train de dire que je me suis fait chier pour rien? Ah, Non, j'allais dire un truc qui n'était pas très approprié. Bon, aussi, à la limite, c'est la même chose. Bon, pour être franc, j'avais gargé les couilles, mais bon. C'était un peu bizarre. Ouais. Tac, on relie les chiottes. Toujours important. Oh, quoi? Oh, merde. Oh, émeute! Putain, mais garde. Ils sont où? Garde armée. Oh, putain, le con, je l'ai viré. Quel con. C'est pas grave, hein. Il me coûte cher, mais... Allez-y. Putain, c'est la merde. Oh, ils ont défoncé un garde. Putain, c'est où, employé? À l'attaque. C'est cheaté d'être directeur de la prison, je vous dis. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? On va rétablir l'ordre. De toute façon, il y a 3 pauvres détenus qui... Oh, le taser. Vas-y, le taser. On va enfin voir comment se battent les gardes armés. Vas-y, taz. Ah, mais c'est vrai que c'est un temps de rechargement, flûte. Vas-y.
Il a une fourchette. Putain, il s'est fait démembrer, le pauvre. Oh, il voulait voir sa famille. Inconscient, il n'y a pas une mort. Pitié, il n'y a pas une mort. Me dites pas qu'il y a eu des morts. Pitié, 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 pitié. Non, c'est bon, il n'y a pas eu de mort. Ouh, putain, j'ai évité le pire. Les médecins, s'il vous plaît, les médecins. Bah putain, vous allez être servi niveau action. Merde. Qu'est-ce que je voulais? Oui, les médecins, pardon. Oh là 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 là. Bon, bah vous avez du boulot les médecins. Bon, moi je vous paye pas pour rien. Mais du coup ça, putain, fait chier. Non non, mais sérieux là, vous êtes chiant. Hein. Bon, on repasse le temps vite. Résultat, ça baisse. Ça baisse tranquillou. Ça baisse tranquillou. Ah, c'est ce bruit-là quand ils détruisent des arbres, d'accord. D'accord. Du coup ici on va mettre une porte de prison. Auto-saving encore, j'ai l'impression que les auto-saving sont très fréquentes. Hop, ce qui est logique. En soi, qu'est-ce qui fout? Qu'est-ce que tu branles toi? Qu'est-ce que tu fous? Eh, hey, y'a pas la flotte. C'est con. Ouh putain, y'a un mec, il avait des clés. Oh là, le carnage putain, toute la bouffe. Y'a même des lits quoi, les types ils ont laissé des lits au milieu des palmiers. Il est arrivé le médecin ou... Il fait quoi lui? Oula, lui il est en pleine. Il subit des chocs post-traumatiques importants là. Et du coup, on va virer un des gardes. Et il me sert plus à rien le gonze. C'est où? Employé, on va virer. Non, au final, j'en ai embauché qu'un en fait. J'en ai embauché qu'un, c'est juste qui vaut une blinde quoi. Toi, t'es là. Et l'autre, il est où alors dans ce cas-là? Ouais, d'accord. Bon, en fait, non, c'était lui. Mais les médecins, qu'est-ce qu'ils foutent là? Venez! Allez, on se magne. Putain, et le danger remonte. Le danger remonte. En tout cas, on aurait réussi dans cet épisode à passer les 200 prisonniers. Enfin! 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 Allez, vas-y, s'il te plaît, descends, descends. Oh yes! Merci. La salle d'exécution est bientôt terminée. Non, elle a été complètement délaissée. Bon alors les médecins, qu'est-ce qu'ils branlent? Ah cool, ils soignent. Ils soignent tout le monde. C'est bien ça, ils soignent tout le monde. C'est bien ça. Allez, soigne-le. Voilà, virez-moi ce sang là. Putain, tous les œufs, toute la bouffe qu'il y a par terre. C'est bien, ils sont tous soignés. Ils sont tous soignés. Par contre... Oh putain, il y en a 28 qui attendent pour les cellules d'isolement. Faut vraiment que j'en reconstruise. Que j'en reconstruise, oui, pardon. Du coup, j'ai pas vu niveau classe là. Qu'est-ce qui se passe? On va voir quel cours est actuellement. En cours. Lol. Family, c'est un besoin, ouais. Je vais devoir peut-être faire une deuxième salle des familles là pour qu'ils aillent voir leur femme. Les chiottes aussi, il faut que je fasse des toilettes. On m'a dit de mettre des toilettes aussi dans les yards parce que ouais, parce que voilà quoi, de faire des toilettes un peu partout. Bah du coup nous ce qu'on va faire, bah on va foutre des toilettes un peu partout. Hein. Faut juste les raccorder à l'eau dans les yards. Hein. Ouais bon c'est pas super propre, je vous l'accorde, mais bon si ça peut satisfaire leurs besoins, hein. On va mettre deux là. Parce que vous voyez, Bowel, c'est quand même... il est assez important ce besoin. Hein. Mine de rien. On le néglige peut-être un petit peu trop. Eh oui. Bah c'est bon. Ouais, c'est bon. J'y ai pas pensé. Ils ont pas de war... De yard, pardon, ici. Faut que j'en fasse un. Normalement, le yard, il est ici. Donc faudrait que je le fasse. Bon, j'avais dit que je regarderais les cours programme. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons en cours? Foundation Education Program. Foundation. Donc... S'ils sont intéressés, donc le teacher est venu faire son petit cours, voyez, ils viennent de terminer. Many inmates lack even basic foundation is reading, writing and math skills. This course bring inmate, but led by a teacher in classroom session, each prison regular, take external, voluntary, can hire externally students. Ah d'accord, ils développent des facultés, c'est cool ça, j'ai l'impression. 20 places, ça coûte 300 par session, ça me coûte rien. Bon, ça va, à mon avis, ça c'est bien parce que ça éduque les prisonniers, ils sont moins violents, ils sont plus. Bon, ça a l'air d'être plutôt bénéfique, globalement. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai oublié ce que je voulais faire. Oui, la salle d'exécution. Alors, la petite salle d'exécution, on va faire un truc sympa, voyez-vous. Alors, sachant qu'il faut une cellule. Il faut une cellule.
On va foutre une cellule là. Et on va faire un truc. Comme ceci. J'espère que ça prend pas trop de place. Non, j'ai l'impression que ça prend trop de place. Merde. Non. Non, je veux plus prendre les murs. Open. Non. Finalement, c'est trop. Attendez. Je veux juste prendre objet. Ça, une chaise électrique, c'est gros ou pas? Ça fait quelle taille? À peu près. Ce serait bien qu'ils rajoutent dans les prochaines mises à jour d'autres moyens d'exécution. Bon, c'est un petit peu horrible, hein, je vous l'accorde bien sûr, mais ce serait cool. Du genre les injections létales ou ce genre de choses. Bon, je vois pas la chaise électrique là, c'est affligeant. Chaise électrique. Oh, ça va. On va la foutre en plein milieu. Ok. Donc, ce qui potentiellement nous fait un truc comme ça. Ah ouais, je vais faire quelque chose comme ça, ça va être classe. Voilà. Tchh, le couloir de la mort. Oh, c'est horrible. Non mais c'est horrible, je vous jure, c'est pas joyeux quoi. C'est pas gay. C'est pas très gay. Bon, on va attendre qu'ils... Putain, ils sont complètement buggés, vas-y. Construis-moi ça, je vais amener l'électricité parce que sinon ça va être... Ah bah c'est bon. Bah alors, est-ce que... Il me faut... Ouais, parce que ça va me ruiner mon électricité. Je pense que je vais construire une autre power station juste à côté ou juste derrière. Parce que ça va me pomper. Mais ça va me pomper comme ça. Ça m'a jamais pompé, en fait. Hein. Typiquement. Qu'est-ce que tu me fous, toi? Je peux pas toucher la... La porte. Putain, et déploiement, là. Et des gardes, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, des gardes. Au moins deux gardes parce que ça va plus là. Non là il faut ouvrir. Putain. Il faut des gardes là. Qu'est-ce que... Hein? Oh putain, il a construit un mur ici, le con. Oh le con. Et du coup... Ah, je peux que la dump. Fuck. Bon, il m'a pourri une porte, génial. J'ai fait le con. Alors, c'est parfait, ils m'ont construit la salle comme il faut. Salle d'exécution. Ici, je sais pas s'il faut mettre cellule. Non, faut pas mettre cellule ici. On va essayer d'abord juste avec un lit, une chiotte, et on verra s'il y a besoin de mettre un truc ou pas. Donc salle d'exécution, on va construire la chaise électrique, ça vaut 5000. On peut pas la changer de sens. Bon, 5000. Est-ce qu'il faut un interrupteur? Je sais pas du tout. Je sais pas comment ça marche, la salle d'exécution, j'ai pas l'impression, mais on va bien sûr mettre un détecteur de métaux juste ici. Ah, on sait jamais. On sait jamais, vaut mieux être prévoyant. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Et pareil, une porte juste ici. Hé. 26 prisonniers. Ah, j'ai l'impression que ça a été réglé. Tiens, j'ai plein de prisonniers qui arrivent. C'est cool ça. C'est très très cool. Ouais, c'est pas mal. Oh, ils m'ont damage une porte. 74%, ils se sont pas allés de main morte. Alors, est-ce que, that is the question, est-ce que je rajoute encore une power station? Je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça, ouais. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Construire. Alors, construire, c'est quoi ce 7 sur 7. Dès que... 7 sur 7. 7 sur 7. Avec ouais, une porte ici. Désolé, là j'étais en train de réfléchir. Ouais. Parce que je me souviens,
Je me rappelle d'un truc. Non, la porte. La porte. La porte. Ce chien ne veut pas me choisir la porte. Je veux la porte. Il faut quelqu'un ici. Alors ici, attendez, faut que je fasse attention là. Ici, je vais réserver ça. Merde. Ça a du mal à sélectionner, hein. Gardien, voilà. Ok, tout le monde se déplace. Je rejetterai un coup d'œil un peu plus tard en ce qui concerne les... Putain, et lui, il va rester coincé comme un... Mais hé, mais putain. Sans deck. Bon, il fait quoi le garde là? Hein? Faudrait que je construise d'autres salles de repos aussi. Allez, la salle d'exécution, quoi, avant que l'épisode se termine. Qu'on puisse faire un essai au moins, non? Quoi, je suis en surpopulation? Mais ici, ils ont pas fini de construire aussi. Bon, heureusement, il y a la holding cell pour arranger le truc. Ah, mais j'ai... Ah, putain, c'est quoi ce délire? Ça m'a viré tous les... J'ai pas assez d'ouvriers, moi, c'est... C'est chaud. Ici, toutes les chiottes, ouais. Bidule, bidule, bidule. Bidule, 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 ouais, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, ok, non, finalement, si, je vais avoir assez. Et je gagne 7500 par jour! Mais va lui ouvrir, putain! Oh là là, là 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 là. Et je croyais qu'il y avait l'électricité ici. Oh là là. Cette porte. Cette porte, c'est infernal puisqu'il y a une putain de lampe qui est construite dessus. Résultat, j'ai pas la... Putain, mais c'est compliqué pour cliquer aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais... Voilà, voilà. Donc toi tu vas là pour leur... Putain. Bon, je vais laisser tout le temps ouvrir. Ouvert, pardon. Sinon ça va être un fiasco. Ok, le petit détecteur de métaux. Ici il n'y a pas d'électricité. Oh non, flûte, flûte. Flûte, 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 flûte. Non, attendez. Non, c'est bon, non, si, c'est bon. En fait je suis vraiment con. C'est pas grave. Non, parce qu'en fait, faut la brancher par ici. Ok, là, je mets juste la lumière dans la salle, j'amène juste l'électricité. Voilà, ce que je voulais faire, c'est ça. Ça m'a tout détruit, c'est une catastrophe. Au final, moi, je veux une troisième power station, parce que moi, je suis un pimp. Voilà. Et ici, ils attendent. Open. Voilà, sortez, bande 2. Qu'est-ce qu'il fout dans la cuisine, lui? Ah, ça me plaît pas. J'ai pas mis de caméra de sécurité ici? Il me semblait pourtant... Ah mince, putain, il faudrait peut-être que j'en mette, moi. Il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu. C'est où, CCTV? Ah, dans quel sens? On va mettre comme ça. On va mettre une là. Eh, non, 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 mon petit Balthazar. Oh, putain, le mec s'appelle Balthazar, quoi. Mon petit Balthazar, non, 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 non. Tu vas ailleurs. Ouh, il faut un putain de cours ici. Qu'est-ce que c'est, le cours? Il y a workshop, au workshop ils font un petit cours aussi là, ils sont pépères, il y a le petit contremaître qui fait son petit cours là. Ils font des planches, ils font plein de planches, des planches, plein de planches, et là ils font toujours le programme d'éducation. Mes prisonniers vont être de moins en moins violents, j'ai l'impression, vont être de plus en plus éduqués, ou alors vont aider otages. J'ai pas très bien compris à quoi ça sert exactement ce... Oh putain, ils sont... Mais... Et allez quoi. Bah allez récupérer les prisonniers, regardez-moi ça, là, ils crèchent dehors, putain. Oh, regardez-moi ça. Il est... Pourquoi il a une tenue bleue, là? Il a une petite chemise bleue. André Kessler, Russ Rider. Il a 18 ans. André had an old rusty Fiat Punto. Il a une vieille Fiat Punto when he was driving down the street, the car revenge for the last 3 years without visiting the car service station and dashed the exhaust into pedestrian on the side road. Andre got convicted for his negligence. Oh, c'est horrible ça. Il a pas fait le...
Comment on dit? Oh non, mais putain, j'ai trop de trous de mémoire, ça va plus, moi. La révision. Il a pas passé la révision technique de son véhicule. Sa petite Fiat Punto, il a écrasé. Hein. Oh, c'est horrible, il a écrasé quelqu'un sur le trottoir. Oh, c'est horrible. Il a tué Arson. Plaidoyer coupable. Il en a pour 19 années. Oh, c'est un petit peu dur. Hein. À mon avis, là, on doit prendre les peines comme aux États-Unis parce que. Bah, si, il a tué. C'est homicide involontaire. Je sais pas si on prend autant en France pour homicide involontaire. Enfin, je sais pas sur quoi il se base exactement moi, pour les peines, mais. Ce serait intéressant de se poser la question d'ailleurs. Oh putain, ici ils sont buggés là. Mais va leur ouvrir, putain. Oh, elle fait chier cette porte. Hein. Typiquement, elle fait chier. Hein. Elle est casse-couille. Putain, mais dismantle cette putain de lampe quoi. Et reconstruit là, quoi, sans déconner, mais fais plus chier parce que sans deck c'est chiant là. Non, viens là, va leur ouvrir. Oh là là, putain. Donc, du coup, j'avais même pas vu l'heure passer. Moi, il est 31, enfin, 30, 30, ça fait 31 minutes. Ah, ici, faut que je raccorde, putain. Du coup, ici aussi, j'ai zappé. Voilà. Donc les amis, sur ce, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et un petit... un petit pouce vert et un commentaire. Lâchez des commentaires. Pouce vert ce que vous voulez. Un couteau vient d'être découvert. C'est n'importe quoi. Et du coup, on verra l'utilisation de la salle d'exécution dans le prochain épisode. Je suis désolé, mais là, les ouvriers, ils cassent les couilles avec les portes. Alors, je suis désolé, mais bon, il y a un moment. En tout cas, on aura réussi à passer les 226. On a atteint les 226 prisonniers, ce qui est vraiment bien. Donc, moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.